Ah, on m'entend. Petit live avec une musique de fond, musique médiévale. On va faire un petit live création, peut-être 20 minutes, enfin ouais, 20 minutes maximum. Avec une musique qu'on va essayer de renouveler. Le mini live. Avec le minéral. Dans Paul Cave. Ouais, c'est le live rapidos. Regardez ma gueule de skinhead. T'as un problème là? Tu fais quoi? Bah du coup, je vais mettre un petit peu sur le HUD. Tu vas te faire contrôler par les flics. Attends, je vais mettre ma casquette. Allô, ma casquette, frère? Attends, mais j'ai même pas ma casquette. J'ai pas ma casquette, alors qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, mec? Voilà, je mets comme ça. Alors, je suis bien, là? Salut! Bonjour, bienvenue. Donc, ou alors, j'ai mon petit... kappa. Oh, putain, la gueule que ça fait. Bonjour, bienvenue. Ça fait moins thug. Parce que j'ai une gueule de thug là. Non mais c'est parce que j'ai rasé le haut là. Et j'ai laissé en bas pour me marrer. Comme on a des masques, on peut s'amuser. Donc là on peut faire en mode thug avec ça. Salut, c'est thug. Bonjour, bienvenue. Et bon, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai un collègue... au taf, il a bossé 4 ans dans la marine. Ouais, du coup, alors. Du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est travailler jusqu'à 13h20, parce qu'après, je reprends le boulot. On va travailler sur un HUD. Enfin, sur un petit HUD. Un petit hôte sympathique, quoi. Après, je rentre pas avant 18h, je pense. Alors, attends, d'ailleurs, faut inverser. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai pas mis de zikmu. Vous allez me dire, mais y'a pas de zikmu, c'est pas moderne. Voilà, tu veux de la zikmu? Voilà la zikmu. Je me suis dit, je vais pas lancer un jeu. Parce que il est 13h. Il faut que je parte dans 20 minutes. Voire même... ouais, 20 minutes, on va prendre 20 minutes. Théoriquement, ça devrait le faire. Fallout 2, j'ai pas pu le prendre. Enfin, j'ai pas envie de dépenser, je l'ai pas trouvé du coup. De quoi c'est pas moderne? Qu'est-ce qui n'est pas moderne? Non, après j'ai pris comme jeu, j'ai pris un petit jeu sympa. Attends. De toute façon, on va faire que des jeux récents, je pense. Griftlands Smith en Early Access. C'est un jeu, un deck building. Et ça a l'air vraiment cool. Et il y a aussi un jeu qu'on va faire... Il y a Ghost Runner qui a l'air sympa. Et Xuan Yuan Sword 7. Musique du Moyen-Âge. Bon, après, j'aime bien. Bon, j'ai pris la première musique que j'ai sur le PC. Parce que j'écoute pas de la musique sur mon PC en général. Je suis plus sur YouTube. C'est quoi ce dernier jeu?
C'est un jeu, un ARPG, je crois. Bah attends, on enlève le chapeau, ça me gratte la tête. On va rester comme ça. Mais ça me fait mal. Attends, c'est de la gueule que ça fait. Putain. Alors. Alors, admettons. C'est peut-être trop petit, ça. Ah non, ça c'est trop grand. Et c'est bien, vous pouvez avoir n'importe quelle tête avec le masque, parce qu'on voit plus la tête des gens. Donc tu peux très bien te mettre barbu. Complètement raté ta coupe de barbe, personne va le voir. Ah, d'accord, c'est pas ça que je voulais faire. On va faire ça comme ça. Parfait pour un serial killer, c'est mieux. Ah donc je disais, j'ai un collègue qui est dans la marine justement, qui a été dans la marine pendant 4 ans. Donc ça correspond bien au CAPA là. Mais lui, il fait un peu psychopathe sur les bords. Il a dit qu'il fallait choisir entre la patrie et la famille. Il a préféré choisir la famille. Je sais pas si en bleu c'est bien. Peut-être en noir. Non, en noir. En blanc alors. En blanc. En blanc. En blanc, blanc, blanc bleu. Blanc bleu. Peut-être que le contour il est peut-être un peu trop gros sur l'autre machin là. Ah, en plus je me suis trompé, j'ai mis ça en intérieur. Faut mettre ça en extérieur. Et alors c'est quoi? Il a raison. Ah, la problématique qu'il a lui, c'est que il donne des ordres au chef d'au-dessus, au supérieur. Il considère que c'est que le patron de la boîte qui est apte à lui donner des directives. Donc je sais pas comment ça va finir tout ça. Je sais pas qui va céder le premier. Déjà, il me parlait comme s'il me donnait des ordres aussi. Alors comme ça donne quoi là? Ça me laisse quand même un espace vide. Prépare le vidéodrama. Non, pas là. Pas de vidéodrama. Si j'aurais pu faire une vidéo bourse. Une vidéo bourse parce que je l'avais dit il y a 5 ans que j'avais commencé la bourse et je voulais faire une vidéo, c'était peut-être il y a 2 ans pour dire ah ouais, est-ce que j'en suis en bourse au bout de 5 ans? Enfin au bout de 5 ans ouais. Je pourrais le faire mais bon, ça n'intéressera pas tellement. Combien il me reste de temps? 14 minutes max? Il faut que je regarde les bus, non, je vais regarder les bus. Parce que je travaille pas dans ma ville, donc faut que je prenne un transport en commun, voire deux transports en commun pour aller bosser dans l'autre ville. Et donc j'en ai pour un certain temps avant d'aller au boulot. Alors, 13h06, tramway, 13h17, 13h27, 13h36. Oh, 13h36. J'arrive un petit peu en retard. Ou 13h27. 13h27, il me reste 20 minutes. Putain, il y en a pour une demi-heure. 13h27. Ah mais attends, c'est...
13h27. Ah, c'est vrai, je peux pas courir en plus. J'ai pas un billet. 13h27. Bah, du coup, 13h27. Ça fait chier. Ah non, remarque, il est à 13h37. 13h37. 13h37, je pars à 30. Faut que je parte à 30. Je pars à, ou à 29, 29. Je pars à 29. Non, bah c'est bon, ça nous laisse jusqu'à 13h26 ou 13h27. Et puis c'est bon. Ok. Nous joue Robert Ruff. Robert Ruff. Ah là là là. Robert Ruff. Attends, mais j'ai pas les lunettes de Robert Ruff. Tu veux que je cherche mes vieilles lunettes? On va faire Robert Ruff. Alors, merde, c'est pas les mêmes, c'est pas les vieilles vieilles, ça. Regarde, c'est gueule. Voilà, je suis pas mal là, en designer moderne. Salut! Comment ça va? Comment ça va? Alors, aujourd'hui, on va parler d'actualité. On va parler de Zotro. Zotro qui essaye de percer dans le Twitch game. Il s'est lancé depuis à peu près 1 à 2 mois. Il était connu sous le pseudo Baka. À l'époque, il était relativement connu dans le milieu des célébrités du milieu geek, car je ne sais pas si vous le savez, mais il y a Marcus qui tenait une émission Level One sur Game One. Il a également officié sur quelques magazines papier et The 3 Yes Baka avait des relations presse avec ces personnes-là et il pouvait les approcher, les interviewer et faire des vidéos fantastique, dédié à différents vidéomakers comme un certain Nigmatic qui était présent dans les vidéos du joueur du grenier. Plus récemment, il a été cité sur le stream par Hugo Délire, héros de l'enfance de cet homme qui est devenu présentateur vedette sur jeuxvideo.com. Et puis également cité constamment par le joueur du grenier qui admire Nigmatic pour ses let's play scénarisés, car c'est vrai, il passait des heures, comme Bob Lennon, à écrire du script sur des histoires contées par Skyrim, par Fallout 3 et par également d'autres choses. Marcus a joué le jeu comme j'étais connu de rien du tout. Enfin voilà, ça fait bien hipster. Ah, t'as vu comment je suis transformiste entre le la tête avec la tête, tu sais, tenue de prison et je passe comme ça. Salut, salut les mecs, comment ça va les mecs? Non, c'est salut le. Attends, c'est quoi? Salut les gars, salut les gars. Eh, salut les gars, bienvenue, comment ça va? Ça va bien? Est-ce que ça va les gars? Eh les gars, vas-y. Les gars, j'ai une super vidéo à vous montrer, les gars, les gars. Alors les gars, bienvenue sur mon stream. Alors moi c'est Maxime. C'est Maxime les gars. Ça va les gars? Ça va les gars? Alors on va pas jouer à Fall Guys parce que Fall Guys, voilà quoi. Et les gars, je me suis fait attaquer. Ça va, c'est Bully? Ah ouais, c'est Bully. Bully contre les vampires. Bully contre les vampires. Voilà. Attends, comme ça. Comme un chat, comme une toque pour faire de la cuisine, comme Bakken faisait sur son stream. Quand il jouait à Cook Serve une Delicious, à servir des saucisses au sucre. Voilà, la toque de cuisinier. Enfin, voilà. La remarque, je peux garder mes lunettes. Hein. C'est des lunettes anti-fatigue. Ça fait schtroumpf. Et tu te balades dans la rue comme ça. Salut les mecs, ça va? Schtroumpf à lunettes. Ah ouais, comme quoi on peut bien modifier son look, hein. Regarde, si je mets ça dans ce sens-là, ça fait. Oh mince, ça fait. Ah, ça me va mieux le bonnet. Attends, ça fait moche ça. Ça fait rien.
Je perds le charisme du bonnet. Ah non, c'est mieux avec le bonnet quand même. Faut faire des vidéos en bonnet en fait. Et c'est comme ça? Non, c'est mieux le bonnet. Attends, j'ai trop le style avec le bonnet. J'ai pas une casquette qui traîne là. Ah dommage, j'ai pas de casquette. J'aurais fait le look casquette. Je sais pas où est-ce que j'ai mis ma casquette. Ma casquette, mon pote. Non, bah je sais pas où j'ai mis ma casquette. Le transformiste. Alors aujourd'hui, je vous propose de lire... Merde. Un superbe livre qui s'appelle... La menace mondiale de l'idéologie wahhabite aux origines du terrorisme qui frappe la France. Alors, ah bah dis donc, j'avais jamais ouvert le bouquin, il y a une page de calendrier de l'ancien possesseur, et il a fait ça lundi 11 septembre. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'il est fort lui. Ah bah et en plus il fait même d'autres marque-pages. Avec le dimanche 15 décembre. Ouais, c'est une boîte à livres. Bah, je vais récupérer d'autres livres. Attends, on va même pas faire de design. Il est quelle heure? J'ai dit 13h26, faut que je parte. 13h26. Alors, dans les trucs récents, mes chers amis, j'ai récupéré Tom Clancy Tempête Rouge. Attends, mais on voit rien, là. Tom Clancy Tempête Rouge. Nora Roberts Possession. Marc Lévy, La prochaine fois. Alors, c'était un fan de Marc Lévy, parce qu'il y a aussi Marc Lévy, Vous revoir. Il y a aussi Marc Lévy, Les Enfants de la Liberté. Voilà. Bref, il a lâché tous ses Marc Lévy, le mec. J'ai lu Les Enfants. Ouais, je l'avais lu aussi, ouais. Plutôt bien, ce bouquin. Et bien sûr, je suis toujours sur ce livre de référence Pouvoir illimité d'Anthony Robbins quand même. Super intéressant sur la PNL. Et d'ailleurs, depuis que j'ai commencé à lire, je suis moins de mauvaise humeur. Donc il y a plein de trucs comme ça. Maîtrise de votre esprit. Si tu avais fini le livre, non. Mais j'ai avancé... Disons que ça te permet de faire un... Attends, il est quelle heure? C'est bon. De mettre en place un recul par rapport à tes émotions. Par exemple, si tu vas commencer à t'énerver, tu fais stop et tu regardes autour de toi et tu te dis « Mais pourquoi je suis énervé ?» Ça permet... Enfin, faut tout remettre à plat. Exemple, tu peux être énervé de ta situation, tu mets à plat, tu te mets en dehors de ton corps et tu te dis « Ok, qu'est-ce que j'ai ?» J'ai un boulot, j'ai un chez moi, j'ai de l'argent pour manger, je peux améliorer telle chose, donc pourquoi être malheureux? Eh ben ouais, donc t'es heureux, hop. Parce que souvent on est dans les émotions primaires, et donc là Et je crois que la meilleure chose qui peut vous faire un déclencheur... attends, c'est ouf. Déjà, il y a le pouvoir de la visualisation pour voir où est-ce que tu vas. Et un truc énorme, c'est... Alors, attends, c'est où le truc énorme? Ah, zut, il est ouf. Alors, je cherche. Il n'y a pas de réussite durable sans engagement, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut visualiser où est-ce que vous allez. Le joueur du grenier sait très bien où est-ce qu'il va, par exemple. Il ne fait pas les choses à l'arrache. Donc si tu fais que les trucs à l'arrache, tu ne vas pas aller très loin.
quel que soit le domaine. Donc, il faut visualiser où est-ce que tu vas, avoir l'image d'où est-ce que tu veux atterrir dans ta vie. Quitte à prendre le risque de se projeter, parce que si tu ne le fais pas, on te dit carpe diem, je vis au jour le jour. Sauf que vivre au jour le jour, t'es pas forcément heureux. Enfin, il y en a qui le sont, mais bon, vivre au jour le jour. Tu peux pas construire vraiment de grands projets. Enfin, tous ceux qui ont des grandes entreprises ont forcément visualisé où est-ce qu'ils voulaient aller. Et donc, si tu veux une grande réussite, faut forcément que tu visualises où est-ce que tu veux aller. Difficile de se projeter. Putain, c'est où le... Je trouve pas le truc qui est vachement intéressant. Là là, je ne trouve plus. Je ne trouve plus. Mais là, j'étais sur les... Ah, je trouve plus. Bah, tant pis. Difficile de se projeter dans ce contexte pandémique. Non, mais tu peux te projeter sur des petits trucs. Par exemple, tu te projettes dans un an. Où est-ce que tu te vois dans un an? Est-ce que tu te vois encore chez toi? Est-ce que tu te vois encore au même endroit? Où est-ce que tu veux être dans un an? Et on évite souvent de se projeter. Mais moi, j'essaye de le faire maintenant. Et je dis bien j'essaye parce que j'arrive pas vraiment. Parce que j'ai jamais projeté, jamais. Pareil, j'étais un peu dans le jour le jour. Et pourquoi est-on dans le jour? Car croire à l'échec est un moyen de s'empoisonner l'esprit. L'une des plus grandes limites que rencontrent les êtres humains, c'est la peur de l'échec. Et donc, le docteur Robert Schuller utilise dans son enseignement la notion de pensée du possible. Que tenteriez-vous si vous étiez sûr de ne pas échouer? Réfléchissez, quelle serait votre réponse? Si vous croyez vraiment ne pas pouvoir échouer, peut-être vous lanceriez-vous dans de nouvelles entreprises et obtiendrez-vous des résultats appréciables. Ne vous sentiriez-vous pas mieux si vous essayiez? N'est-ce pas la seule façon de faire des progrès? Je vous demande donc de considérer dès à présent que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des résultats. Voilà. Rayez le mot échec de votre vocabulaire. Entourez le mot résultat et engagez-vous à tirer les leçons de toutes vos expériences. Voilà. L'échec n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais demain si tu n'avais pas peur de l'échec? Et ça, c'est une question. Si tu n'avais pas peur de l'échec, exemple. Si moi, je quitterais bien mon boulot, d'ailleurs c'est ce que je me disais souvent, je quitterais bien mon boulot pour faire d'autres trucs, sauf que j'ai peur de l'échec. Tu quittes ton boulot, après ça peut être... je sais pas, non déjà, quitter son boulot pour faire quoi? Ça c'est une question que... Avant je me disais je vais quitter le taf, je vais rien foutre. Sauf que bon, rien foutre, ça marche un temps. Et donc, si je quittais mon travail demain, je saurais pas trop quoi faire en fait. Donc, je me dis que conserver le boulot et puis y aller de façon positive, pour l'instant, c'est un truc plutôt intéressant dans la vie, quoi. Et ça, le. Donc, c'est pour ça que maintenant, je vais plus au boulot de façon négative. J'y vais comme ça, hop, je prends le taf. Donc, ça me prend une partie de la journée. Et puis c'est bien, ça me fait voir des gens et tout, comme c'est dans le commerce. Donc c'est pas aussi mauvais qu'on pourrait le penser de façon primaire. J'ai claqué CDI pour... Non mais après je quitte pas justement parce que je sais pas. Parce que j'ai fait 3 semaines là de vacances ici. 3 semaines sans bosser. Et alors c'est intéressant parce que tu peux te mettre sur tes projets web à fond. Donc psychologiquement, tu es disponible pour te créer quelque chose, créer des streams, créer quelque chose autour de YouTube néanmoins,
Il faut se projeter. Donc, se projeter, ça veut dire que si tu fais ça, faut avoir une visibilité sur 1 ou 2 ans, voire 3 ans. Et est-ce que tu veux vraiment, dans ce cas-là, si tu as le temps de faire du stream de YouTube, est-ce que tu veux vraiment développer une entreprise autour de cet univers ou c'est juste pour t'amuser? Et donc, si tu n'arrives pas à te projeter dans quelque chose de professionnel sur YouTube, alors autant rester avec ton boulot et puis continuer comme ça. Parce que si tu quittes pour t'amuser sur ton stream et puis qu'après tu te retrouves sans argent, sans rien, c'est pas viable quoi comme solution. Tu veux faire du sabbatique utiliser tes heures de compte formation. Jouer avec la sécurité à travailler surtout actuellement. Ouais, mais justement, c'est la même chose, faire des formations de quoi? C'est aussi ça le fond. Donc c'est pour ça que ce bouquin il est vachement intéressant, parce que ça te force à te projeter. Tu vois. Donc où est-ce qu'on va? T'essayes de voir où est-ce que tu vas dans 3-4 ans. Donc se former pourquoi? Quitter ton boulot pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont prendre un boulot, après ils vont essayer un autre boulot, ils vont essayer un autre truc. Et plus le temps avance, et plus après les portes se referment. Donc il faut savoir, faut vraiment définir où est-ce que tu vas, en te disant que l'échec n'existe pas, sinon tu te mets à fond sur YouTube, l'échec n'arrivera pas, donc tu vas être motivé pour durer 3-4 ans. Voire plus, parce que c'est bien la problématique qu'ils disent dans le livre. Si tu admets qu'il y a l'échec, tu vas te dire dans un coin de ta tête, je vais peut-être échouer, je vais peut-être pas y arriver. Donc si tu te dis je vais peut-être pas y arriver, tu vas pas mobiliser tes ressources à 100%. Et tu vas pas y arriver, puisque tu disais je vais peut-être pas y arriver. C'est ça le cercle vicieux du cerveau. Tu vas dire je suis pas sûr d'y arriver. Ok, t'es pas sûr d'y arriver, bah, en fait tu vas te donner les moyens de pas y arriver. Alors que si tu te dis, il est impossible que j'échoue, enfin du moins tu ne te prends pas cette possibilité d'échouer, tu vas y aller à 100%. Et dans le cas où tu n'y arriveras pas, ce n'est pas un échec, c'est un résultat. Et chaque résultat est bon à prendre en compte pour évoluer vers quelque chose d'autre. Donc le mot échec est à bannir effectivement parce que ça te ramène quelque chose de négatif. Donc c'est un résultat. Tu as fait 5 ans de stream, tu n'as pas percé. C'est un résultat et non un échec, donc un résultat à prendre en compte pour la suite de tes expériences dans la vie. Et ça te permet en fait de tout positiver, c'est un résultat. Tu dis, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats, tu dis ça tout le temps. T'as plus de cette négativité qui peut découler d'expériences dans ta vie. Tu t'es séparé de ta copine, elle s'est barrée, bah écoute, c'est un résultat. C'est pas un échec, c'est un résultat de choses qui se sont accumulées ou de sentiments qui ont disparu. C'est un résultat. Hop, ça te permet d'avoir une sorte de neutralité par rapport à tout ça, de te détacher d'un point de vue sentimental. Tu as fait des vidéos pendant des années, ça s'est pas développé, c'est un résultat. Après, si tu veux te rassurer, dis-toi que dans ce monde, tout service peut avoir de la valeur. C'est ce que j'ai appris lorsque j'étais en Bretagne. Tu peux améliorer une langue étrangère, faire une formation sur le logiciel qui te plaît. Bref, il y a du choix. Pourtant, les échecs peuvent exister. En gros, j'étais allé dans un snack et le gérant vendait que des aliments provenant de supermarché. Lui, en gros, son job, c'est il fait les courses et il revend les produits qu'il a achetés. Oh, il y en a, ouais, j'en connais des revendeurs. Les échecs existent bien, mais bon. C'est une méthode quoi. L'échec n'est pas invité, tu apprends quelque chose. Non, mais l'échec, je ne vois même plus ce terme. Je suis le bouquin. L'échec, ça n'existe plus. C'est volontairement positif, c'est comme moi, je me suis lancé en indépendant, le Covid m'a... Mais au moins j'ai essayé. Le Covid t'a bait. Ouais, mais tu voulais arrêter ton côté indépendant. Donc, dans un sens... Et dans un sens, je sais pas, après, faut voir, est-ce que comment tu t'es projeté, si on le suit. Après, j'ai beaucoup de pages encore à faire. Hein. Là, j'étais par rapport aux expériences... Le bon bois ne pousse pas dans la facilité, plus le vent souffle fort, plus l'arbre est robuste. Les gens pleins de ressources connaissent-ils l'échec? Bien sûr que oui. Les croyances positives garantissent-elles des résultats à chaque fois? Évidemment non. Mais l'histoire a montré à de multiples reprises que quand les gens
adoptent un système de croyance qui leur donne du pouvoir, ils reviennent à la charge avec assez de détermination et de ressources pour finir par réussir. Abraham Lincoln perdit 23 fois aux 26 élections auxquelles il se présenta. Il ne cessa jamais de croire en sa capacité de vaincre. Son système de croyance était tendu vers l'excellence. Il finit par y parvenir. Et quand il y parvint, il transforma la face du monde. Il n'est pas parfois nécessaire de croire à une chose de toutes ses forces pour qu'elle se produise. Il arrive que des individus aboutissent à des résultats stupéfiants uniquement parce qu'ils ignorent que l'entreprise est difficile. Il suffit parfois de ne pas avoir de croyances limitatrices. Ah oui, et puis là, il raconte, bon, c'est un peu fantasque, l'histoire d'un élève qui était dans un cours de maths. Le prof a mis un exercice impossible à résoudre. Il a bossé toute la semaine, il a fini par le résoudre, tout en sachant qu'il était impossible à résoudre. Et donc, ils disent que comme il s'est dit qu'il ne s'est pas dit à lui-même que l'exercice était infaisable, et bien il s'est acharné, il a réussi. Voilà. Donc, faut jamais se dire que c'est impossible et tu y vas. Et bon, moi je vais aller au boulot. 13h28, je reviendrai ce soir. Et c'est bien utile d'avoir une petite montre, un petit bracelet qui mesure vos pulsations par minute et puis également vos kilomètres. Là, j'ai déjà marché 14 km aujourd'hui. Je pense que je vais faire 20 km aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a plein de viewers à cette heure-ci, je sais pas, je regarde pas. Loupe pas ton bus. C'est le Covid qui m'a fait changer d'avis. C'est vrai, il faut partir au boulot dans 2 minutes. Je peux pas me permettre de compter sur un marché fragile dans le cadre d'une pandémie. Eh bien, il était persévérant, c'était faisable comme il a réussi. Bah, je sais pas, il faudra que je regarde. Il faudra que je regarde ça. C'est cool en tout cas. Et puis, je reviens tout à l'heure, ouais. C'est super cool de. Et d'ailleurs, ouais, lire des bouquins. Même tu lis peut-être 15 pages par jour, peut-être même 10 pages, franchement, c'est intéressant parce que quand tu lis un livre, c'est comme si tu parlais à quelqu'un. Enfin, tu vois, tu le lis à voix haute, ça se répète dans ta voix. Et c'est comme si, oui, tu engageais un dialogue avec une personne, sauf que c'est avec un livre. Et c'est très enrichissant parce que tu prends constamment modèle sur ce qui t'entoure. Donc en lisant des pages du livre, c'est comme si tu avais un interlocuteur assez intelligent qui t'apprenait des choses tous les jours. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Souvent, les gens autour de toi, enfin en tout cas de mon boulot, ils t'apportent rien de spirituel ou d'évolutif. Et du coup, lire un livre, ça te permet inconsciemment d'avoir un interlocuteur qui va t'apporter quelque chose. Et tu peux lire ça, tu lis juste 10 pages, 10, 15 pages. Voilà quoi. Aux oreilles des bouquins. Alors, bon courage quand tu as du négatif, tu dis juste Hakuna Matata, Hakuna Matata. Non, mais quand tu as du négatif, tu dis stop, et hop, tu te dis ok, qu'est-ce qui se passe? Clac. Mais bon, après, quand tu es vraiment dans l'émotion, c'est pas non plus super facile de faire un stop. Ah, coup d'œil, il m'apporte que de la merde. Du genre, tu peux me ramener. Non, mais ouais. C'est ça. Tout à fait ça. Bon, je vous dis, je reviendrai tout à l'heure. Je vous dis à ce soir. Je finis le travail qu'à 17h. Donc, je suis pas rentré avant 19h, je pense. Le temps de partir de la ville de là-bas, de revenir, de reprendre le bus, etc. D'autres trucs. Voilà. Allez, bon après-midi. Salutations, on y va, 13h30. Yes!